Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team, le Step Up allemand, voilà, mais ce n'est pas Golden 23, c'est du Rising Sun, vous avez dû le voir dans les différentes vidéos de mes amis YouTubeurs, Bigito, Atsushi, mon ami Mitch, etc, etc, dans leurs vidéos news respectives, donc voilà, donc les Allemands sont là, ils sont magnifiques, il y a attendez, il y a 4 nouveaux joueurs, je crois, s'il n'y a pas de bêtises. Et bien évidemment, Schneider qui est revenu. Donc voilà. Attendez, on a un petit cadeau. On va voir ce que c'est. Espérons des Dream Ball. Donc là, ils ont fait... Ah bah, des Dream Ball. Bah, très très bien. Voilà, 174. En plus, je crois qu'il me reste encore 7 Dream Ball à récupérer. Donc on est à 180. La remontada est en marche. Hop. Voilà. Juste voir un tout petit truc avant de démarrer l'analyse et la, enfin surtout la présentation des joueurs allemands. Bon, l'analyse, pardon, je laisserai Mitch s'en occuper. Hop. On va dans le marché. Normalement, il y a des nouveaux joueurs. On va voir, de toute façon, on va voir tous les marchés. On va voir ça tout de suite. Bon, malheureusement, ils n'ont pas remis le ticket SSR dans le marché. J'ai 586 pièces d'or. Voilà, new. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du Misaki, du Diaz, du Hernandez, du Konzawat, du Wakabayashi, du Léo, du Yu, du Taki. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Hein. Il n'y a rien qui change. Voilà, le ticket, ça sert. On va le prendre immédiatement. Voilà. On va le craquer ensemble. Hein. Comme ça va faire un petit peu de... Voilà, il ne reste plus que ça. Je peux même prendre deux... ticket SR Plus, je prends SR Plus. 40 000, c'est un peu trop cher le ticket SR Plus. Hein. Franchement, vaut mieux prendre des ballons SSR. Hein. Voilà, ou du Sugimoto, ou des Meda Sugimoto. Donc un petit peu what the fuck. Donc là, on va, je sais pas si on a des nouveaux joueurs. Yuga est revenu, Pierre, il y a le Kals, il y a le Shana. Soda, le PP, APP est revenu, d'accord. Et le fait, Kisugi, Espada, s'il est revenu, et Leondic. Donc, non, donc pas de nouveau. Pas de nouveau. Ok, ah, super. 5 balles, un ballon SSR 5, plus 5, 10 000. Bon, je peux prendre les 5, donc ça c'est génial. Ah, spécial dribble, ok. Donc, elle coûte que 2 000. Ah, c'est bien ça. Elles sont pas chères, hein, c'est bien. Hein. C'est bien ce qu'ils ont fait là, pas très très cher. Et c'est quoi le ticket? Et ça coûte que 5 000. Génial, prends prends. Allez hop, c'est parti. Magnifique, magnifique. Putain, avant il coûtait 120 000 quoi. Il y a un bug. Moi j'en profite. Allez hop, on prend aussi ça. 300, on prend les 10 hein, tant qu'à faire. Voilà. Mais il y a un tout petit problème là. Avant, il fallait 120 000 pièces bleues pour avoir le ticket SSR. Ah ouais, en fait, ils ont vraiment mis l'accent sur les ballons. Quoi. Ah voilà, 30 000 le ballon x 5. Et voilà, donc les ballons B, etc. Ok, donc là c'était pro. Non, ah oui, donc là c'est les spécial tirs. D'accord, ok, les 2000 spécial tirs. Purée, purée, ils ont mis le ticket SSR à 2000. Je suis... Ok, très bien. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Trêve de bavardage. Allez, hop, vite, vite, vite. Joueur, j'en peux plus, là. Putain, j'ai eu deux tickets César direct. Bah, ça a été direct. Maintenant, la prochaine mise à jour, ce sera normalement dans 2 mois. Allez, répertoire joueur. Normalement, les Allemands sont... Pas vers la fin, mais on va dire vers le milieu, je crois, du répertoire. Ok, hop. Alors, ils sont là. Donc on va commencer par le premier carré, bah Schneider, en commençant par le plus beau gosse, le Kaiser. Je pense en avoir beaucoup des Schneider. Hein. Ouais, j'ai le fest, mais j'ai pas le fest avec le vrai maillot. Il est là, il est rouge. Rising Sun, 1111 d'endurance. Bon forcément, vu que son numéro c'est numéro 11, donc ils ont fait 11 et 11 à côté. Pas mal, rouge, Rising Sun, 20 000. 330 en attaque, 6061 en dribble, 8509 en tir, très 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 fort en tir, 5762 en passe.
Donc c'est un Schneider classique dans les notes. Fort en dribble, passe, ça va, mais c'est pas un truc de fou. Défense, 5006 en tac, très bien. 4005 en contre, on s'en fout. Et interception, 5179. Donc très très bien. Et puissance, 7237. Très 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 fort. Vraiment. Voilà, si t'as pas d'attaquant rouge Europe et que tu viens de commencer le jeu, c'est exactement le joueur qu'il te faut. Après, pour nous les anciens, est-ce que le Fest fait pas encore boulot? Si. Mais malheureusement pour lui, il a un tout petit défaut, c'est qu'il n'a pas de tir balle basse. Donc, et le tir le plus fort de Schneider dans le jeu, pour l'instant, c'est le tir du Fest. Donc si tu as un Fest doublon, voire triplon, et que tu le drops, tu sais qu'est-ce qui te reste à faire. Lui mettre la frappe. Donc lui, il est dans une cohésion Europe rouge. Déjà que l'Europe rouge est très 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 forte. En fait, lui, c'est un peu un sorte de fest like quoi, un fest bis, parce que l'Europe rouge aujourd'hui, c'est le Schneider fest quoi. Les titulaires avec le Napoléon rouge fest. Donc là, c'est vraiment si t'as pas eu la chance d'avoir le Schneider fest. Et que tu cherches vraiment un Schneider comme mon ami Atsushi, all-in. Voilà, c'est tout. All-in, quoi. All-in dessus. Voilà. Mais malheureusement, il te faut le tir. C'est ça qui est un petit peu chiant. Alors, tu parles de question pour tous les joueurs. Et deux, voilà, 2% supplémentaire si c'est du joueur Rising Sun. Donc, il te faut, pour vraiment que ce soit optimisé la super cohésion, il te faut des joueurs Europe, Rouge et Rising Sun. Donc pour l'instant, on va se contenter des 15% et les 2% supplémentaires. Bon, lui, il les aura. Lui, il va en profiter. Mais tous les joueurs Rising Sun auront 2% supplémentaires sur leur tir. Donc lui, il a un passif d'Europe. Hein, donc plus il y a deux joueurs rouges Europe qui participent dans le match, il en faut 8 minimum. Et il prend 15%, donc il est complètement dingue, quoi. Donc je vous laisse faire les calculs. Bon, à la limite, je vais vous les faire. C'est un monstre. Voilà, tout simplement, c'est un monstre dans une team rouge Jap. Jap, n'importe quoi. Team rouge Europe, pardon. Ouais, les Jap, on va essayer de côté pour l'instant. Tir du feu CC. 450 d'intensité. C'est pas mal. Pour une reprise balle basse, c'est pas mal. Voilà, pour une reprise balle basse, c'est pas. C'est pas méchant, c'est pas voilà. Par contre, il a aucun effet, donc il éjecte aucun joueur. Donc voilà. Donc dribble en ligne droite, celle-là on la connaît de Yuga, rien du tout aussi. Et interception enflammée. Donc ce qui serait peut-être cool à lui mettre, bon, bien évidemment la frappe, voilà, ça c'est sûr. Et un tacle, pourquoi pas un tacle, voire un deuxième tir, mais après compliqué, compliqué. Il lui faut déjà un tir, ça c'est tout, ça c'est sûr, pardon. Et pourquoi pas un tacle? Ouais, pourquoi pas un tacle? Ou sinon, vous mettez un deuxième tir. Vous mettez deux tirs si vous avez, par exemple, deux fesses. Vous le mettez deux tirs. Pourquoi? Parce que si vous tombez contre un défenseur qui va vous sceller, pardon, excusez-moi, un tir, bah, vous aurez un deuxième tir à côté. Donc voilà. Donc après, est-ce que le fire shoot classique du bleu du début peut faire le café en attendant de dropper le fest? Je pense qu'on n'aura pas trop le choix pour l'instant. Malheureusement, vous n'aurez pas trop le choix. Donc voilà pour le Karl-Heinz Schneider. Donc à partir de maintenant, c'est des joueurs, pardon, des joueurs allemands qui ont inédit. Voilà, des inédits de Rising Sun. Donc ceux qui n'ont pas lu Rising Sun, bah, vous êtes un petit peu spoilés, mais pas méchamment. Ils sont là. Avec leur beau maillot de l'Allemagne, avec notre ami Igao. Alors lui, c'est notre ami Schmidt. Donc ils sont deux frères, un peu comme les Tachibana, hein, c'est des jumeaux. Donc il est là, il est en plus ils ont un potentiel, il est bleu, défenseur milieu def, c'est tout, voilà, défenseur milieu def, 1131 en endurance, donc on vous a fait le potentiel, 15570, 5002, 5100 et 5003 en attaque, c'est assez homogène, bon c'est pas un truc de fou mais c'est assez homogène, il est assez bon en passe mais le reste... Ouais, on dribble, mais à votre place, je ne dribblerai pas. 20 409, c'est là où ça devient intéressant. Quasiment 8000 en tacle, très très fort en tacle, contreur. Voilà, donc lui, c'est plus sur le côté, quoi. T'as compris que c'est très, qu'il allait jouer sur le côté. Plus, je crois que dans le manga, il joue sur le côté.
5859 en contre et 6006 en interception. 17726 en physique, 7000 en rapidité, donc très très bien. Assez bien réparti avec le tacle. 5262 en puissance, voilà. Et 5471 en technicité. Voilà, donc pas mal bien réparti le Kevin Schmidt. Donc lui, il donne super cohésion à l'Europe. Bleu et plus 2% s'il est Rising Sun, donc lui il aura les 2%. Voilà, il aura les 17%, le reste aurait que 15%. Hop, et passive lecture de mettre de la bonne lecture, un peu comme le Jito Dreamco quand quand il vous brain, il prend 50%. Donc c'est ce qui est très très fort. Si ça proc, ça fait très très mal. C'est tu ne le passeras pas. Hein. Si t'as deviné que tu allais dribbler, son marquage tenace, tu passeras pas. 440 d'intensité pour le marquage tenace, donc son tacle, il lui coûtera 390. Interception tenace à 80. Un dribble et une passe. Donc c'est vraiment bien réparti. Lui, Kevin Schmidt, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Voilà, franchement bien. Et il a un potentiel. Donc lui, il ne subit pas les effets de la neige. Donc voilà, oula, d'accord, ok, super. Le joueur en face va utiliser 10% supplémentaire sur sa stam. Donc, quand il va utiliser un dribble ou une passe, il va utiliser 10% supplémentaire. Donc, ça, c'est un truc de ouf. Je kiffe ce passif. Il donne 1% supplémentaire à tous les Allemands, ce qui est très très fort. Et seulement aléatoire d'accord. Donc, il va sceller un tir de l'adversaire. Donc ce qui est pas mal du tout. Et il va falloir des pièces de Rudy Frank Schneider, le papa de Schneider. Non, pas mal du tout le Kevin Schmidt, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Hop, voilà, on va voir. Bah, du coup, on va voir son frère, Eric. Hein, comme ça, au moins, on va faire les deux frères tout de suite. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est deux frères jumeaux, mais ils n'ont pas de... Enfin, pour l'instant... Y arriver. Ils n'ont pas de sport en commun pour l'instant. Bon, je vais voir après, mais pour lui, mais pour Kevin, pour l'instant, il n'y a pas. 1131 en endurance, parfait. Rising Sun, milieu défensif et défenseur comme son frère. Sauf que lui. Alors, on voit vite fait l'attaque. On est assez homogène, 5002 et quelques, 5000 et quelques. Bon, voilà. Passe très bon. Voilà, très bon en passe. 20 000 en défense. Tacleur. Ça va. Contreur, ça suffira pas. Par contre, en interception, il a 8244. Est-ce que lui, ce serait peut-être plus sympa, soit de le mettre sur le côté dans une défense à 4 ou de le mettre milieu défensif? Mais vu que Kals Dreamfest fait encore le taf, faut voir. Faut voir. Là, maintenant, je crois qu'il y a moyen de monter une équipe. Là, je pense qu'il y a moyen de monter une équipe allemande complète. À part peut-être qu'il va manquer peut-être des milieux. Si là, comme ça, là, je vois. À part s'il y a un, je sais pas s'il y a un Kals qui fait milieu offensif en même temps, qui fait milieu défensif et milieu défensif et offensif. Peut-être le Kals Dreamco, peut-être. Peut-être. Donc, il y a peut-être moyen de faire une équipe. Ouais, il va manquer un Allemand. Si on part sur du 4-3-3. Il va manquer quelques joueurs, il va manquer un ou deux joueurs allemands et après vous pourrez faire une équipe Allemagne complète. Donc voilà, donc 8244 en interception, c'est très 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 fort. 17666 en physique, 5008 c'est très bien, 5002 et 6006 c'est très bien aussi. Donc là c'est assez pas mal dans le physique. Cohésion vert, donc Europe vert et 15 et 2% pour les Rising Sun. Et lui, exactement comme son frère, maître de bonne lecture, plus 50%. Toc, toc, toc. Exactement comme son frère. Voilà. En fait, ils sont pas pris la tête. Ils ont mis exactement comme son frère, à part pour la couleur. Donc, son frère, il est bleu, lui, il est vert. Mais sinon, c'est exactement la même carte. Hein. Enfin, pas la même carte en termes de stats, mais en termes de TS et de passif et de leader skill, c'est la même. Donc, lui, il ne suit pas la neige comme son frère. Il utilise 10%. Ok. 1%, ok, ok, d'accord, donc exactement comme son frère. Alors, ils sont pas pris la tête, je sais que là-bas, Eric et Kevin, tu mets la même, sauf la couleur, tu changes. Voilà, et tu mettras un café aussi. Allez, Schwelter Tegerbrand, donc lui, c'est un petit peu la version Wish
de Schweinsteiger. Pas facile, moi je l'appelais Schweini. Hein. Donc lui il est rouge, donc par contre lui pas de potentiel. Milieu offensif, milieu def et défenseur. Donc lui, ça peut être le troisième défenseur de l'Allemagne. Donc là, mais bon, lui il est milieu offensif, pardon. Donc, mais je crois que si je compte bien dans ma tête, il va manquer un joueur allemand. Il va manger. Imaginons qu'on met les trois, d'accord? Kals en 6. Donc ça nous fait 1, ça nous fait 4 joueurs. Donc il reste encore 6 joueurs à mettre sur le terrain. Chester. Et c'est tout quoi. Chester est devant. Devant tu mettrais Schneider et un Margus quoi. Donc pour l'instant je crois que tu ne peux pas faire une équipe full Allemagne. Pour l'instant tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc lui, 1074 en endurance, 15 931 en attaque, 5002, 5000, 5002 et 5000. Donc si c'était vraiment Schweinsteiger, il aurait été fort en passe, et, ouais, plus en passe. Ouais, parce que le joueur était vraiment très très fort en passe. Et c'était vraiment un vrai couteau suisse en Allemagne, mais il était plutôt milieu défensif et milieu offensif, mais pas défenseur. Donc lui, il tacle 7000. 309, 5690 et 6000 en interception. Donc très gros tacleur. Rapidité de 7078. Donc ça va exactement avec avec sa TS de tacle. 5148 en puissance et 5300 en technicité. Alors lui, la super cohésion des joueurs Europe rouge. Exactement le même leader skill que notre ami Schneider. Et quand vous passez en full power, il prend 20% sur ses stats. Donc très très fort. T'introduis pas dans mon territoire comme ça. Ok. N'importe quoi. 405 par contre coûte très 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 cher. Très cher. Mais par contre, il peut 455, c'est si monte S99, tu ne passeras pas. En dribble, clairement, tu ne passeras pas. Dribble explosif 255. Passe chirurgicale 160 pour 270 en. Ouais, c'est d'accord. Interception à haute vitesse. C'est pas mal. C'est pas mal. Revoyons un petit peu. Ouais, donc tac. Ouais, donc non, c'est très bien. C'est très bien. Donc lui, tu pourrais pas le jouer dans l'axe. Donc c'est encore quelqu'un sur le côté. Et ce serait. Ouais, c'est plus un 6. Plus un 6. Ouais, mais même si en interception, il est pas fou, mais. C'est un gros tacleur en fait. Lui, c'est il va t'obliger soit à faire une passe ou soit à tirer. Voilà, tu ne pourras pas dribbler. Soit tu fais un 1-2, passe et tirer. Donc, si tu le vois devant toi, et si en plus si, ils ont activé le, enfin, si ton adversaire a activé le full power, ne dribble pas. Voilà, ne dribble pas. C'est mieux pour toi. Ok, hop. Je crois qu'on a. Ah non, il reste Mario Götze. Donc, un peu la version low cost de Mario Götze. Qui a gagné la coupe, celui qui a offert la coupe du monde à l'Allemagne en 2014, si je dis pas, oui. Non, oui, c'est ça, 2014. Donc lui aussi, 1111 comme notre ami Schneider. Donc lui, il est attaquant, il n'est pas milieu défensif. Moi, je l'aurais mis les deux, milieu offensif et attaquant, parce qu'il manque des milieux offensifs, comme je vous ai dit. Donc il aurait été très bien avec Schneider, pardon, avec Chester au milieu offensif. Mais bon, c'est comme ça. Donc 23 953 en attaque, c'est énorme, c'est quasiment du 24 000. 8 452 en dribble, c'est très 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 fort. 8 000, on va arrondir à 8 000 de tir. 7 500 en passe, très 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 fort, très intéressant ce Mario Götze. 15 431 en défense, à part le contre, le reste ça se tient bien. Et 18 338 en physique, 6 960 en rapidité et 6 002 en technicité. Donc lui, c'est vraiment plus un, on va dire un ailier quoi. Ça va être un ailier qui va dribbler sur le côté, qui va à la centrer pour Schneider ou pour Margus. Et c'est plus ça l'idée quoi. L'idée, c'est un peu ça quoi. C'est un peu une sorte de Victorino allemand quoi. C'est un peu plus ça. Un attaquant de soutien. Voilà, le tir angle raid. Vous avez vu, donc je ne vous ai pas menti.
Donc lui, il donne exactement comme notre ami alors Eric Schmidt, je crois, c'est ça, c'est Eric le vert, qui donne à tous les Européens vert 15% et 2% s'ils sont Rising Sun. Donc ça veut dire que bien évidemment qu'il y aura des Rising Sun qui vont ressortir, qui vont sortir, des Européens, etc., etc. Et lui, quand il tire sur un côté angle fermé, il ne perd quasiment pas en puissance. Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est sur le côté. Voilà. Avant même de voir le passif, je vous ai dit quand j'ai vu les stats, c'est un ailier, quoi. C'est plus un ailier. Voilà. Un centreur. D'ailleurs, il a une passe chirurgicale, un tir perçant qui monte à 445 et feinte petit pas à 270. Voilà, un gros 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 dribbleur, notre ami allemand Mario Götze. Donc là, comme ça, après avoir analysé les cinq Allemands, les frères Schmidt sont très bien, Mario Götze est très bien et le Schneider est très bien. Je mettrai un tout petit bémol sur le Tegerbrand. Un tout petit bémol. Il n'est pas mauvais, mais des 5, c'est le plus. Je trouve que c'est le plus faible. Des 5. Hop. On va faire le premier palier. On va craquer les comment il s'appelle? Les tickets que j'ai pris. Hein. On ne va pas attendre 107 ans. Ça se. Pour les garder comme ça. Bon. Je sais que mon ami Atsushi et mon ami Letan. Les. Ah d'accord. D'accord. Il y a le Dreampo. Un recrutement. Une fois. D'accord, bon, le Waka, le Schneider. Bah, si vous avez droppé le Schneider et que vous avez le nouveau, vous le mettez au tir. Je l'ai, enfin, oh purée, je les ai tous. Je les ai tous. Bon, bah écoutez, on va y aller, hop, de toute façon, c'est gratuit. Par contre, j'ai pas vu le pont. Le pont, on le voit pas. J'ai l'impression que c'est du SSR garanti. Ok, bon là c'est SSR. Bah là comme ça, si tu peux me donner, je sais pas, bon on verra de toute façon, on va voir qui va me donner. Oh je l'ai, premier prix. Ah donc non, j'ai, non donc il y a vraiment un Dreampo quoi, c'est même pas un garanti, c'est pas du garanti, donc j'ai eu de la chance quoi, j'ai eu le premier prix tout de suite, j'ai l'impression. Ok, bon, il a disparu. Ok, Légion germanique. Après, mon ami Bégito, j'ai vu sa vidéo, donc allez voir sa vidéo. C'est vrai que comme ils jouent avec leur maillot allemand sans marque, est-ce qu'ils sont exclusifs? Ça, c'est une vraie question qu'il a posée que je trouve assez pertinente. En plus, c'est marqué recrutement de nouveaux joueurs, donc comme le Casagrande et le Senaldo, j'ai l'impression que c'est des joueurs qui vont rester maintenant dans le détecteur. Donc je sais pas. Je sais pas. Voilà, c'est comme eux, les Senaldo, regardez, ils ont marqué recrutement de nouveaux gens, mais il n'y a pas de. C'est pas exclusif, quoi. J'ai pas l'impression que les joueurs vont disparaître. Ok. Et bah écoutez, on va craquer les tickets et surplus. Tant qu'à faire, hein, on va voir qu'est-ce qu'on va dropper. On s'est pas prévu qu'il y a des tickets SSR à craquer, donc tant mieux. Hein, tant mieux. Rien du tout, rien du tout. Ok, hop. Alors, tac, tac, tac. Ouais, non, mais t'inquiète pas, j'arrive l'Allemagne. On fera le ticket SSR à la fin. Ça. Ah, ah oui, d'accord, ils ont changé les gens conf. Ok, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Moi, j'ai eu celui que je voulais, le Sakon. Donc, très bien, hop, on va faire ça. Ça, c'est bien, ça c'est une bonne idée, ça. Parce que franchement, vous avez vu combien de pièces j'ai. Franchement, 125 000, c'est rien du tout pour moi. Hop, voilà. Voilà, débalancer, très bien. Il y a quelqu'un qui a déjà droppé le Pierre Saint-Valentin sur cette ticket, sur ce ticket-là. Ouais. Et ben, on va craquer ces tickets-là, les tickets SR+. J'ai eu le Diaz vert potentiel. Ouais, nécessaire. J'ai déjà le mon ami Soda. C'est pas grave. C'est pas grave.
Peut-être récupérer une TS ou deux, peut-être. Peut-être, je vois. Je crois que j'ai le soda 97, je crois qu'il a pas de tacle. Et peut-être j'ai récupéré son tacle. Peut-être. On va juste voir qu'est-ce qu'on a à faire. On sait très bien, je suis content, j'ai eu le mixeur, ça, on verra ça après. Là, je suis au palier 3, 50% de SSR, 50 Dream Ball. Bon, déjà, on va. Allez, on va faire le palier numéro 1. Attendez, on va faire la technique du requin poker star. Alors, on fait des petits ronds autour de Schneider. Pas lui. Allez, Schmidt. Donc, Schmidt, ce qu'ils sont bien, franchement. C'est que c'est leur TS n'ont pas non il n'a pas besoin d'avoir les deux, ça c'est pas mal. Donc c'est un step up classique les amis hein. 270 Dreamhold pour aller jusqu'en haut. Donc pour moi c'est mon avis hein, mais je pense que le moins intéressant c'est Tiger Brand. Donc si vous avez un des autres, je trouve que c'est pas mal du tout. Flèche bleue de Korbach. Et non et non. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, c'était vraiment histoire de passer. J'ai envie de faire le palier 50%. Je vais faire le palier 50%. Allez, c'est parti. Allez, une chance sur deux d'avoir un SSR. Pas forcément un Golden 23. Chance, ça sent bon. Ok. Allez, au moins un des Golden 23, ce serait génial. Bon, ça sera 2! 2 SSR sur la 50%. Allez, s'il te plaît, un des Golden 23, mais. Oui! Le Igawa! Le Igawa! Oui! Putain, je le voulais. T'es beau, Igawa! En plus, je suis en train de lire Golden 23, je suis à Igawa sur son histoire. Quand il est en Argentine avec sa fille et sa femme, elle est morte en donnant la naissance à sa fille. Je suis désolé de vous spoiler. Oh, je suis trop content, bordel! Bordel! Bon, si c'est Misaki, c'est le feu complet. C'est le feu complet. Pour moi, j'arrête le step. De toute façon, le step, j'arrête maintenant. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Oh, je suis content de fou. Allez, Misaki. Bon, doublons. Doublon, doublon, doublon. Oh, je suis heureux, purée. Ah bah magnifique. C'est le joueur que je voulais. Ah, c'est le joueur que je voulais. Bon, on s'arrête là. On va craquer les tickets. Ouais, merci pour le, pour la modèle, pour la Rainbow. Bon, il y a la SSR garantie. Je préfère. On va attendre. Voilà, on va attendre de ramasser des Dream Ball derrière et je ferai le palier SSR garantie. Voilà, je vais le faire. On va vendre. Ah, je suis content, Yawa, putain. Ah, c'est génial, c'est génial. Hop. Alors, on va enlever les N et les R. Joueurs, on va inclure. Hop, hop. Voilà, 45 joueurs qui vont partir. Je m'en fous de leur. Les R, ça y est, c'est fini. Tu fais plus. C'est plus rentable, quoi. Même certains SR, hein, ça ne sert plus à rien d'avoir. Ils ont des techniques B. B, c'est terminé, quoi. Ah, je suis content. Ah, je suis super content, bordel. Ah, putain. Ah, ma bleue, ma jappe bleue va prendre un. Même ma jappe tout court, elle va prendre un boost. Là, comme ça, j'ai envie de faire le SR garanti. Mais j'ai peur de. J'ai peur de. Comment dire? J'ai peur de. Bah, comment dire? J'ai peur d'avoir un doublon ou que ce soit un SSR tout pourri, quoi. Bon, là, pas de suspense. Ça fait. Ah, ça fait. Voir ça fait plaisir, tu vois? Ça fait plaisir. Les flammes arc-en-ciel et tout. Le flèche arc-en-ciel. Sadae qui est là. Allez, on va sauter. Allez, un new, ça serait génial. Ah, bon, un mixeur, hein, forcément. Je l'ai déjà. Ça sert à rien. Il donne un tacle S. Allez. Là, c'est un truc de ouf. Hein. Les deux. Je reviens pas que le ticket SSR PDP, il est à 2000, quoi. Tu passes de 120 000 à 2000. C'est incroyable. Allez, on va couper. Je l'ai déjà aussi. Attends, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne? Il donne une passe. Et un contre S. D'accord. Ok. Peut-être à garder pour un. Pour un Jito. Pourquoi pas? Je vais voir. Je verrai.
J'ai envie de faire le, j'ai envie de faire le, j'ai envie de faire le palier. J'ai envie de faire le palier. Il me reste 94 000 balles. De toute façon, je pense que je vais passer à la caisse au bout d'un moment. Je peux pas, je pourrais pas aller jusqu'au Dreamfest comme ça. Puis là, il y a de garantie au palier 4. Ah, je suis super content. J'ai eu vraiment celui que je voulais. Après, si je veux être gourmand, c'est le Misaki que je veux. Voilà, c'est le Misaki que je veux. Voilà les amis, bon, cette vidéo a duré assez longtemps comme ça. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc on a fait le premier palier de l'Allemagne. Je vais voir si je vais forcer ou pas. Parce que les joueurs sont très intéressants. C'est de nouveaux joueurs. Donc je sais que mon ami Atushi qui joue Europe, donc lui il va se gaver, hein, il va se faire plaisir. Il va même. Il m'a dit en vocal qu'il va même aller au-delà du step s'il n'a pas les joueurs et tout. Donc là pour lui c'est all-in. Hein. C'est all-in. À part si le Super Dream Fest et Europe et le Dream Co aussi. Ce que je doute, peut-être pour le Super Dream Fest, peut-être, mais voilà. Moi, je veux au moins 150 Dream Ball à la fin du mois pour que je puisse au moins vous faire une rotation du Super Dream Fest. Donc voilà, donc je vous kiffe. Pensez à vous abonner à la chaîne, très important. Mon Twitter, c'est là où tout se passe, où je mets mes retweets, etc. etc. Tout ce qui se passe, mon Twitter. Et activer la petite cloche pour être le premier à avoir mes vidéos sur YouTube. Je vous kiffe, portez-vous bien et j'espère que vous avez poule du lourd si vous avez poule sur le step Allemagne. Je vous kiffe, c'était Letko pour vous servir. Ciao!